Salut Chen, alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi les Chinois y dominent, la différence entre en Europe et en Asie, toi qui as joué en équipe nationale en Chine, un petit peu la différence que tu as pu voir? Ouais, quand on est petit, on s'entraîne plus que l'Europe, bien sûr. Après, pour les joueurs et les coachs, ils sont beaucoup. Après, pour le tactique et les gestes, on s'entraîne beaucoup pour les gestes. Et devant le miroir, on prend le geste. Et les joueurs avec les coachs, ils ont parlé ensemble, pourquoi t'es bon, t'es pas bon. On regarde les vidéos et qui disent ton coude, il y a un problème de coude ou l'épaule ou le dos. Et on fait beaucoup les gestes aussi. Sans balle ou sans Oui, les à blanc. devant table, on fait beaucoup les gestes pour reprendre plus vite, quoi. Parce que des fois, il y a les balles, tu ne touches pas la balle. Mais voilà, après, Et donc il faut. tu visualises dans ta tête comment Oui, ça c'est se passe et ça. tout ça. Oui, Donc c'est c'est un petit ça. peu la vidéo qu'on fait Watch Oui, and Learn, oui. où du coup on apprend Plus vite plus pour les vite. joueurs, parce que les joueurs, ils sont pas très grands, ils sont jeunes. Ils ont, tu vois, il y a 10 ans, il y a 8 ans, et comme ça, ils font beaucoup de gestes et ils comprennent bien. Ils apprennent plus vite. Voilà, ils en prennent plus vite que les coachs qui parlent. Comme ça, ils sentent mieux Ok. qu'ils travaillent tout seuls, quoi. Ouais. Bon, bah super. Merci, Chen. Ouais, pas de soucis.